Bonjour à toutes et à tous les amis. À moi la musique de Supercopter dès le matin, ça me donne une patate d'enfer. Et franchement, aujourd'hui, mais que du lourd. Que du lourd. Un menu exceptionnel sur la chaîne puisque à 10h, là, dans quelques minutes, sur la chaîne de Carole Quintaine, on se retrouvera pour le pré-show du TGS Carroju. Et puis ensuite, dans la foulée, à 11h, ici même sur la chaîne, la conférence PlayStation pré-Tokyo Game Show. Et puis dans l'après-midi, oula, dans l'après-midi, ça ne s'arrête pas, une très grosse preview et un énorme test vous attendent. Et puis là, maintenant tout de suite, je sais que vous êtes confortablement installés et ça fait plaisir pour ce nouveau bistrot du jeu vidéo. Et l'actualité du JV, elle est complètement folle avec Spider-Man qui explose d'ores et déjà tous les records, Red Dead Redemption qui en dévoile plus sur son histoire, Nintendo qui se justifie sur l'absence de certains jeux dans le cloud de son futur service Nintendo Switch Online. Allez, je vous en parle, prenez un petit café, c'est parti pour le bistrot du jeu vidéo. Spring. Ah oui, on est bien dès ce début de semaine, car le jeu vidéo ne prend jamais de relâche, et franchement, vous avez été tellement nombreuses et nombreux à m'envoyer une flopée de messages concernant Spider-Man PS4, vous l'avez commencé, vous y avez joué, vous avez visiblement adoré, et bah apparemment vous n'êtes pas les seuls, regardez, ce sont des chiffres de l'Angleterre, relayés par Games Industry Biz, et bah c'est marqué, hein. Spider-Man est en train d'éclater tous les records et devient le jeu qui se vend le mieux de toute l'année. Déjà, j'ai envie de dire, il est sorti ce vendredi, vous réalisez ce qui est en train de se passer ? Voilà, c'est déjà le jeu qui se vend le plus de tout 2018, il bat celui qui détenait jusqu'à présent le record, Far Cry 5, il s'est déjà vendu deux fois mieux dans la période de temps que God of War PS4, qui pourtant avait le record des exclusivités PS4. Bref, c'est en train d'être un véritable raz-de-marée, et c'est pas tout, puisque regardez, ça continue. Not only that, mais c'est aussi le jeu Marvel qui se vend le mieux et le plus vite, battant au passage le précédent record détenu par Lego Marvel Super Heroes. Je vous fais remarquer juste une petite chose, tous les jeux qu'on vient de citer, hormis God of War, sont des jeux multiplateformes. C'est-à-dire que Spider-Man, qui est une exclusivité, fait mieux que des jeux multiplateformes. Et ça, c'est extrêmement notable, d'autant plus que ces chiffres-là n'intègrent que les ventes physiques et pas les ventes des maths. J'ai envie de dire, alors, imaginez avec le démat. Et puis une petite pensée aussi pour ceux qui pensaient que justement les jeux solo étaient morts. Après le carton de God of War, après le carton visiblement qui est en train de s'écrire vraiment de Spider-Man, tout va bien. Et franchement, à titre personnel, ça me fait grand plaisir parce que moi, les aventures narratives solo, bah, c'est ce que je préfère. Donc écoutez, si elles se portent bien, il y en aura plus, il y en aura d'autres. Et tant mieux, vous y me direz dans les commentaires, là, juste en dessous, sous la vidéo, si c'est aussi votre cas. Allez, autre plat que je peux vous servir ce matin, il concerne Nintendo. Et vous l'avez probablement appris il y a quelques jours, Nintendo Switch Online, le service de jeu en ligne qui va être payant à partir du mois de septembre, là, d'ici la fin septembre, vivement que Nintendo précise un peu les contours. Eh bien, certains jeux ne pourront pas bénéficier de l'option sauvegarde dans le cloud. Ces jeux, c'est simple, c'est Pokémon Let's Go Pikachu Evoli, Dark Souls Remastered, Splatoon 2, Dead Cells, qui vaut mieux tester sur Switch, NBA 2K19 et FIFA 19. Pourquoi ? Eh bien, regardez, Nintendo s'est justifié, c'est Nintendo Home qui a la citation. Regardez, la grande majorité des jeux Nintendo Switch supportera les sauvegardes en cloud. Cependant, dans certains jeux, cette fonctionnalité permettrait par exemple de regagner des objets qui ont été échangés avec d'autres joueurs ou de revenir à un rang qui a été perdu en ligne. Pour garantir le fair play, les sauvegardes en cloud ne sont pas activées dans de tels jeux. Pour éviter qu'elles n'affectent injustement les classements en ligne, la fonctionnalité ne sera donc pas activée dans Splatoon 2. En l'occurrence. Voilà, c'est une réponse que Nintendo a donnée à Game Informer. Alors, je la trouve pas totalement satisfaisante, cette réponse, puisque, ok, je comprends les classements en ligne, mais pourquoi on pourrait pas avoir une sauvegarde spécifique, au moins sur sa progression personnelle, qui n'intégrerait pas les classements en ligne, c'est-à-dire peut-être faire deux styles de sauvegarde. Je comprends, c'est un petit peu plus complexe, mais à la fois,
si on paye pour un service qui permet d'avoir ses sauvegardes dans le cloud, et si à chaque fois qu'il y a du jeu comme ça, multi et des classements en ligne, ça veut dire que Super Smash Bros. Ultimate devrait être aussi potentiellement concerné, c'est quand même un peu embêtant. Donc j'espère qu'à l'avenir, en tout cas pour les jeux qui sortiront, Nintendo trouvera une parade, parce que sinon c'est quand même un peu embêtant que tous les jeux multi et ben, compétitifs ne soient pas intégrés à l'intérieur. C'est comme ça. Bah justement, je vous ai dit, hein, FIFA 19, qui va arriver sur toutes les plateformes, hein, mais aussi sur Nintendo Switch, ne fera pas partie de cette option des sauvegardes cloud sur Switch. Mais, alors juste entre parenthèses, en revanche, sur PS4 et Xbox One, les sauvegardes cloud de FIFA, il n'y a aucun problème. Donc c'est là aussi où je vous dis, il y a une petite histoire un peu chelou. Bref, eh bien, Electronic Arts vient d'annoncer la date de la démo. Ah, parce que oui, hein, vous avez vu, hein, PES est déjà sorti. En France, ça marche plutôt bien. Et on attend toujours, eh bien, FIFA qui lui sortira le 28 septembre. Eh bien voilà, Jeuactu nous le confirme. C'est donc à partir du 13 septembre prochain que la démo sera disponible en téléchargement. Voilà, c'est dans très très peu de temps. C'est cette semaine. Cette semaine va être barjo. Mais vraiment. Au micro de Game Reactor, Electronic Arts a d'ailleurs précisé que cette démo serait, entre guillemets, différente. Alors, ça veut tout et pas dire grand-chose. On verra bien. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de l'essayer au moment où je vous parle, là, aujourd'hui. On est le 10, si je dis pas de bêtises, c'est ça, on est le 10. Je n'ai toujours pas la version définitive de FIFA, alors est-ce qu'il faut y voir un mauvais signe ou rien à voir? Eh bien écoutez, à suivre dans mon verdict qui arrivera le plus vite possible, j'espère, avant que je parte à Tokyo pour le TGS. C'est pas sûr, Electronic Arts, si tu m'entends, c'est maintenant ou jamais. Hein. Allez, maintenant ou jamais, la chance de toute une vie, c'est ce qui s'est produit ce week-end pour l'équipe française d'e-sport Vitality. Regardez, et oui, ils se sont qualifiés pour les Worlds. Les Worlds, c'est les mondiaux de League of Legends. Alors regardez, dans le détail, en fait, c'est l'équipe Fnatic qui a été sacrée championne d'Europe de League of Legends, de LoL, donc en battant Schalke 04, 3-1 ce dimanche à Madrid. Voilà, une photo pour immortaliser cette victoire. Alors, Fnatic, ils sont relativement accoutumiers du fait, hein, puisque c'est leur 7e titre européen, 2e titre consécutif sur LoL, mais ce qui nous intéresse un peu plus bas, regardez, et bien voilà, vainqueur samedi en petite finale nous rapporte l'équipe de la compétition contre Misfits, et bien avec la victoire de Fnatic, les Français de Vitality sont qualifiés pour les Worlds qui se dérouleront en octobre en Corée du Sud, et c'est quand même pas une mince affaire, puisque depuis la première édition des Worlds et la participation de la team AAA, eh bien c'est la première fois depuis 2011 donc qu'une équipe tricolore est qualifiée pour cette phase finale. Eh ben chapeau, je parle rarement d'e-sport, mais là franchement j'avais quand même envie de tirer mon chapeau à ces Français qui franchement envoient du rêve, ça fait plaisir. Et je sais que vous l'attendiez tous. Et c'est pour ça que je vous l'ai mis à la fin comme le petit dessert, la petite pépite sur le gâteau. Maintenant, on va parler de Red Dead Redemption 2. Alors, c'est clairement le jeu là que tout le monde attend. Peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, il y a une hype de malade mental. Jusqu'au 26 octobre, va falloir franchement ronger son frein. Eh bien, The Hollywood Reporter a eu une exclusivité concernant l'histoire même du jeu. Regardez, Rockstar Games révèle un peu le cœur, les détails de l'intrigue de Red Dead Redemption 2 exclusive. Ah bah ils sont contents, et franchement je comprends, franchement. Regardez, on va descendre un petit peu, c'est une longue interview, je vais pas tout vous traduire. Si vous parlez anglais, n'hésitez pas à y aller, mais globalement je vais vous faire une grosse traduction. Dans Red Dead Redemption 2, vous avez l'occasion de voir cette bande incluant Marston, au sommet de sa notoriété et au moment précis où les choses commencent à se déliter. Cette histoire se focalise sur Arthur Morgan, l'exécuteur de confiance de Dutch. Adopté par le gang grâce à Dutch quand il n'était qu'un jeune garçon, Arthur considère ce groupe comme sa famille. Dutch a donné sa vie dans ce but et le gang constitue la constante positive de la vie d'Arthur. Ça en fait, c'est l'un des responsables même du jeu, Monsieur Bass, qui l'exprime et ce n'est pas fini. Les temps changent.
il n'y a plus beaucoup de place dans le mode de vie du gang dans un monde lancé vers la modernité. À travers le regard d'Arthur, vous verrez comment ces événements affectent la bande, tandis qu'elle est forcée à fuir à travers les États-Unis et que l'influence de Dutch sur ses compagnons commence à s'effriter. Nous cherchons à créer un mode et un monde aussi gigantesque que riche. Nous nous sommes toujours efforcés de donner vie à des univers crédibles et nous avons utilisé la toute dernière technologie pour pousser cette idée encore plus loin qu'auparavant. Le mot d'ordre est la cohérence. Voilà des mots qui continuent à mettre le feu vraiment sur ce titre. Vraiment, c'est une très très longue et très intéressante interview. Donc je vous invite, c'est une exclusivité de The Hollywood Reporter, à aller vous y rendre. Facile, hein, vous tapez Hollywood Reporter sur Google, Red Dead Redemption 2, et c'est parti. Voilà, en tout cas, je pense qu'on est vraiment à quelques encablures seulement de la vidéo de gameplay numéro 2, et c'est pourquoi, comme il y a beaucoup maintenant d'informations qui sont distillées, je pense que je vais refaire un petit point sur la question avec un invité de marque, vous allez voir ça dans quelques jours. Mais pour le bistrot, en revanche, eh bien faites-vous plaisir, recommandez un petit café, prenez-vous un plat et tout, mais moi, je vais repartir en cuisine, puisque je vous l'ai dit, là, dans quelques minutes à peine, à 10h, rendez-vous sur la chaîne de Carole Quintaine. N'hésitez pas à cocher la petite cloche, on sera en live pour le pré-show. On va vous parler un petit peu de ce qu'on vous prépare pour le Tokyo Game Show, et puis à 11h, rendez-vous ici même, sur ma chaîne, pour le début de la conférence PlayStation pré-Tokyo Game Show. Et puis ensuite, dans l'après-midi, dès 15h, rendez-vous pour un très très gros test. Et un petit peu plus tard dans la journée, une très 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 grosse preview. Croyez-moi, vous n'avez pas envie de manquer cette journée. Voilà. Eh bien écoutez, si ça vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce, le partage sur vos réseaux sociaux, l'abonnement qui fait plaisir pour rejoindre la communauté et plein d'autres vidéos vous attendent. Alors les amis, je vous aime fort et surtout, vive notre passion du jeu vidéo. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, elle va être intense. Ciao !